toujours tout le monde et c'est ça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour quelques modes fun que j'ai décidé de faire. Là, comme vous voyez, ces deux joyeux dragons qui sont en train de battre des ailes, tout ça. Et ce joyeux fusil cryogénique que j'ai dans les mains, voilà. C'est juste qu'en fait, j'avais envie de faire pas une petite revanche sur les dragons. Mais voilà, j'ai mis un mode qui permet d'avoir des dragons mécaniques. Ok, je le mettrai dans la description. Je suis votre esclave. Voilà, j'ai mis un mode pour avoir les braillards des failles. Braillard des falaises. Alors là, je suis désolée. C'est pour tous ceux qui sont morts au tout début de niveau d'Ambroïde. Voilà, c'est pour vous, là. Je viens de le shooter en plein air. Voilà. Et il tombe, là. Bouffon, ouais. Voilà. Donc, moi, je propose, c'est qu'on transforme tous les dragons en grippins derrière génération d'Ouamer. Voilà. Et qu'on les fasse se revendre sur le marché, mais vraiment à des prix pas possibles. Je suis désolée. Voilà, parce que c'est des dragons mécaniques, donc c'est des dragons d'Ouamer. Et le Ouamer, ça se revend cher. Voilà, mon personnage est habillé de façon très bizarre, je sais. Bon, sinon, tu te ramènes, gueule de grippin, là. Oh, tronche d'aspirate. C'est ridicule. Non, mais si tu continues comme ça, c'est toi qui vas finir en descente de lit, hein. Et moi, je te le dis, descente de lit, mi-nordique, mi-elfe, ça va donner cher sur le marché. Non, arrête avec ça, c'est pas moi qui vais finir en pièces détachées, c'est eux. Non, mais toi, tu vas finir en descente de lit tellement tu vas être en morceaux. Bah oui, bah justement, c'est pas logique. Oui, bah tu finiras en rôti, alors, c'est bon. What? Ok, il y en a deux. Bon, sinon, vous arrêtez de tourner, là, de faire des petits ronds. Oui, oui, pose-toi. Voilà, c'est bien. Ouais, par contre, je vais peut-être prendre une potion de résistance au feu, parce que sinon, je vais prendre relativement cher dans la tronche. Ok, je vais quand même me faire défoncer. Je sens... Bon, save, pas save. Voilà, c'est ça. Je sens que je vais m'en prendre plein la tronche, quand même. Voilà, voilà. Bonne jour... Beosef ! Beosef ! Boule de feu, c'est moi qui me suis fait transformer. Merci Bishop d'être toujours aussi respectueux. Bishop, c'est mon pote. Je retiens le fils de Malakath enfermé dans un chac. Enfin, juste sa tête, le petit de fait que peur du chier. Bon, allez, on rush ! On n'a même pas le temps de courir. Non, mais sérieusement, je peux jouer ou... Non, parce que mourir en boucle, ça va pas être mon kiff, ok ? Alors, je précise. Qui veut une Pozzassa ? 70€ sur le marché. Hop, je t'ai esquivé. Mais qu'est-ce que tu dis ça, tronche d'aspirateur ? Oh, je vous le dis, on va le transformer en radiateur. On va le transformer en radiateur, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est mon personnage. Voilà, je sais pas si vous l'avez trouvé mignonne ou pas, voilà. Oh, punaise. Oh, Beosef ! Beosef ! Voilà, tu peux pas... Il me touche derrière le rocher ! À moins que ce soit son pote. Non, c'est pas son pote, c'est lui. Mais il me touche derrière le rocher, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, je vais faire une pétition, là. C'est pas possible. Non, mais... je suis une victime. Je me fais victimiser. Après Mélia, hein, c'était obligé que ça finisse par toi. Tout n'est qu'illusion. Pathétique, wesh. Alors, ouais, bon, bah, du coup, on va y aller dans mon armure de grosse bourride. Parce que s'il me cherche, moi aussi, je peux le faire. Bouffon. Voilà. Le vol plané. J'ai même plus peur de mourir. Ouais, j'ai fait une méga ellipse, là, parce que ça m'a saoulé. J'ai enfin réussi à sauvegarder. Après... avoir réussi à esquiver la boule de feu de la mort. J'ai enfin réussi. Ouais, par contre, il se pose en face de moi. J'ai pas confiance. Ah, laisse-moi tranquille. Putain, je me bats au fusil cryo. En plus, je devrais pas avoir de problème. Ouais, c'est la lampe. C'est la lampe, notre gueule. Pardon, Bishop. Le moment est arrivé de tuer. Bien sûr, Bishop. Bien sûr. Bon. What? On dirait des étoiles filantes, en fait, tellement c'est violent. Mais je vois pas trop le rapport entre les étoiles filantes et la violence. Les étoiles filantes, c'est un peu la violence quand j'y pense, en fait. Waouh. Ouais, j'ai jamais vu quelque chose de similaire. Voilà, moi, je range. Hein. Personnellement, je suis au milieu. Voilà, je risque absolument rien. Voilà, ça, c'est moi, ma vraie armure, j'ai envie de dire. Attends, parce que j'ai vu... Oh, punaise. Mais j'ai même pas le temps de réagir. Bon, ok, c'est peut-être parce que je me suis posé, j'ai mis mon armure pour mettre la... pour faire la pause. Ok, c'est peut-être pour ça. J'avoue, c'est peut-être pour ça. Mais bon, quand même, quoi, j'ai même pas le temps de bouger. C'est pas juste. Bon, cette fois, par contre... Bon, si l'écran... Ah, punaise. Si l'écran mettait pas 10 minutes à s'allumer, ça serait pas mal aussi. Ah, tronche du radiateur. Oh, punaise. Il va m'énerver, lui. Il va m'énerver. Voilà, il y a encore eu une ellipse, parce que bon, si le combat durait 20 minutes, je pense que ça vous aura plu. De toute façon... What? J'ai eu l'aile qui me passait à travers. Oh, ça va, c'est pas moi qui l'a vu. Hop. Hop là. Gèle dans ta tête. Gèle dans ta tête. Et gèle dans ta tête, quoi. Voilà. C'est bon, on y arrive, là. On gère. C'est bon. C'est bon, on y arrive. On va réussir. On va les avoir. Non. Tu te mets pas là. Je suis désolée, tu ne te mets pas...
Mais je suis obligée de crever là, je suis obligée d'y rester, c'est... Voilà. Oh mais ok, mais posez. Je me prenais d'office une boule de feu qui me tuait, en plus l'autre il me fait un kill cam. Mais ok, mais pas de problème, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va vite m'énerver cette affaire. Alors, bon. Voilà, tant pis, ça m'énerve, je me mets en TGL. Voilà, c'est qui fait les... Vous ferez moi les fiers comme ça. Ok, moi j'ai carrément honte là, mais bon, vous avez vu, une boule de feu quoi. Voilà, c'est juste. C'est juste, c'est même pas épique quoi. C'est, tu t'ennuies là, je suis désolée, on s'ennuie. Ah, j'ai passé de niveau en plus. Le TGM plus le passage de niveau, ça ne se fait pas, je suis désolée. Voilà. Et comment j'arrive à mourir avec 300 de vie quoi? C'est pas possible! Une boule de feu qui te fait du 300 de dégâts, c'est pas possible! Oh, mais appelez Bethesda là! Enfin, même si c'est un mode, donc c'est pas Bethesda. Mais appelez le modeur là, ça se fait pas! Il y a eu un problème dans les BCA et les ESP là, c'est pas possible! Vous avez mal foutu les scripts! Bon! Oh! Oh, t'as cru que t'agressais mon pote comme ça toi! Hop, moi je me prends de la glace dans la tronche et une boule de feu, j'ai pas mal! Hop, parce que je suis en TGM, tu vois, ça se fait trop pas! J'avoue, vous allez plus avoir aucun respect pour moi après cette vidéo! Mais bon, écoutez, les dragons mécaniques, ça ne se fait pas! Je suis désolé! Bon, il s'est passé quoi là? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Bon, alors Bishop, je suis désolé, hein, mais je te fais un câlin parce que j'en peux plus là. Écoute, les dragons, ils m'ont victimisé. Je te fais un câlin hein, ou je t'embrasse, voilà, je te touche les cheveux parce que c'est mignon. Voilà. Ouais, ça s'appelle de la fanfic en direct et j'en ai rien à faire. Voilà, c'est mignon. Oh, mais c'est trop mignon! Il se comporte comme un loup, c'est trop mignon. Bon. Hop, voilà, je me rapproche. Voilà, comme ça on va pouvoir faire un câlin. Non mais littéralement, on va vraiment pouvoir faire un câlin. Ça va bugger, c'est obligé, mais ça va bugger. Mais oui, c'est magnifique, ça bug. Oh, mais c'est magnifique. What? Ça bug à mort. Bon, je l'étreins. Ok, alors là, si quelqu'un a vu une scène plus touchante que ça... Non mais c'est tellement ironique que j'ai envie de vomir, en fait. Oh, je lui caresse la joue d'une façon totalement kawaii. Voilà, Bishop. Je suis une fan de steampunk, voilà. Et ça, c'est ma pote, la lampe. Elle a même un pied, quoi. Voilà. Hop. Je la tape, elle en a rien à foutre. C'est ma pote, la lampe. Elle vient du voyage de Chihiro. Elle a un pied, quoi. Elle a un pied. C'est une lampe, elle a un pied, quoi. Enfin, bon. Moi, je vais vous dire. Sayonara.